Bonsoir. Cette guitare a beau avoir marqué Texas fièrement sur sa tête, il s'agit bien entendu d'une guitare fabriquée à Paris par les frères Jacobacci en 1961. Les frères Jacobacci qui sont vraiment les grands anciens de la lutherie électrique en France, deux frères à qui on doit beaucoup, à qui on doit des guitares absolument sublimes, de l'Arctop à la pure solid body. Et là donc, on est sur une magnifique version de la Les Paul, légèrement revue et corrigée par les frères Jaco, notamment la forme de la tête qui est absolument magnifique. Les mécaniques SB qu'on connaît plutôt sur des manouches, mais qui marchent aussi très bien sur une électrique. Les micros Herve Tone Master, des simples bobinages, qui ont bien leur personnalité à eux. Et puis ces boutons que je trouve absolument sublimes. Le Bixby qui est d'époque, qui est tellement patiné que ça en devient une œuvre d'art à part entière. La plaque avec marqué Major dessus, qui était le nom du magasin qui revendait les guitares Jacobacci à l'époque. Et puis cette finition sparkle absolument superbe qui se barre sur les côtés avec le binding qui commence à vieillir joliment. Bref, on a une guitare absolument sublime, chargée d'histoire, on le voit bien, et puis bah, chargée de mojo et surtout chargée de son. C'est une gratte qui est encore très inspirante alors qu'elle n'a jamais été fabriquée qu'il y a 60 ans maintenant. Et oui, ça ne nous rajeunit pas, mais 60 ans après, elle est toujours aussi désirable. Et on lui souhaite de continuer à représenter l'exception française en matière de lutherie rock pendant les 60 prochaines années.